Le quatrième pilier, la foi aux messagers. Nous croyons qu'ils sont des êtres humains ne possédant aucune des caractéristiques de la Seigneurie. Ils sont des serviteurs ne méritant pas l'adoration. Allah les a envoyés, leur a fait une révélation. Il les a soutenus par des signes et miracles. Ils ont accompli leur mission de manière sincère et ont transmis, ont lutté pour Allah avec tout l'effort qu'ils méritent. Nous croyons en chacun d'eux, en leur nom, en leurs caractéristiques, en leur histoire de manière globale et détaillée. Le premier des prophètes est Adam, alayhi salam. Le premier messager est Nuh, alayhi salam. Et le sceau des prophètes est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les législations antérieures sont abrogées par celles de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les cinq messagers, dotés de fermeté, ont été cités ensemble dans les chapitres 33 et 42. Ils sont Muhammad, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, alayhimus salam.